je profite de cette magnifique décoration western mise en place dans le cadre d'un événement que j'organise pour vous présenter une de mes activités, la formation professionnelle que je mets en place autour d'une activité de danse, la danse en position assise. Ben, si tu veux, je suis animatrice de danse depuis plus d'une quinzaine d'années. Je fais de la danse country, danse western, hein, et de la danse en ligne. Et depuis quelques années, si tu veux, je me suis formée sur une nouvelle spécialité qui est la danse adaptée pour les seniors, danse debout simple et danse en position assise. Alors là, j'ai découvert quelque chose de formidable et j'ai développé mon activité professionnelle avec cette nouvelle activité et je travaille donc dans des EHPAD, dans des clubs pour les aînés, dans des résidences autonomie. Et franchement, j'avais maintenant envie de profiter de toute cette expérience professionnelle, que ce soit en danse debout ou assise, pour la partager à un plus grand nombre. J'ai donc conçu un contenu de formation qui correspond vraiment à mon expérience et à ce qui me semble important de connaître pour pouvoir soi-même mettre en place une activité de danse. Tu vois, c'est simple. C'est vraiment partir de mon expérience pratique pour former un plus grand nombre de personnes. Allez, tu me sers? Cette formation, elle est sur 6 jours. 2 modules de 3 jours qui sont à peu près espacés d'un mois à un mois et demi, puisque dans le cas de l'alternance, les apprenants sont amenés à mettre en place une activité de danse avec leur public. Le premier module de 3 jours, en fait, ce sont les bases nécessaires pour mettre en place une activité de danse adaptée. Alors, les bases nécessaires en musique, mais des notions tout à fait essentielles en musique. Les bases nécessaires en gestuelle et en mouvement pour faire les danses. Et il y aura aussi les bases, c'est-à-dire comment je mets concrètement en place un atelier de danse. Et puis sur ce module, il y a également une séquence qui concerne le vieillissement de la personne âgée et tout ce qu'il faut savoir pour ce qu'il faut faire et ne pas faire dans le cadre d'une activité de danse auprès d'activités de seniors. Le module 2 permet de développer ses compétences, c'est-à-dire que l'on va perfectionner son écoute musicale et surtout on va apprendre à créer des chorégraphies soi-même sur des musiques différentes, un répertoire musical différent. Et enfin, le module 2 s'achèvera par une mise en situation pratique où on va mettre en pratique tout ce que l'on a appris pendant la formation puisque les apprenants seront amenés à animer eux-mêmes un atelier de danse en position assise avec des résidents d'un EHPAD. Il faut savoir aussi que la formation est très, même s'il y a des contenus théoriques, elle est quand même très pratique, c'est-à-dire que toutes les séquences de formation auront des mises en situation pratique, donc elle est assez intéressante et passionnante. La formation propose plus de 30 danses en position assise essentiellement, mais certaines se feront aussi debout, mais ce sont très simples, ou certaines danses seront apprises, feront les deux, assises et debout, ce qui permet de pouvoir proposer un plus grand nombre de personnes. Les chorégraphies sont issues du répertoire de l'association DATA, Danse à tout âge, là où je me suis formée, et puis également de mes propres chorégraphies que je pratique au quotidien dans les structures pour seniors. Et puis certaines chorégraphies de chorégraphes internationaux. Toutes les chorégraphies seront accompagnées de fiches techniques sur la manière d'enseigner les danses et les poses et les gestes qui accompagnent chaque danse. Et le plus que je propose en cadre de ma formation, ce sont des vidéos avec tous les gestes expliqués. Et elles sont filmées en musique. Ces vidéos seront mises à disposition des apprenants pendant plus de 6 mois sur YouTube et en privé.
Donc c'est vraiment un plus parce que ça permettra de réviser toutes les chorégraphies pour mettre en place soi-même son propre atelier de danse. Oh là, attends, je réponds à la question. Eh bien, la formation s'adresse à tous, elle est ouverte à tous. Vous pouvez aussi bien être, par exemple, un bénévole qui travaille, par exemple, dans un club pour aînés, qui ont envie de mettre en place un atelier de danse en position assise. Vous pouvez également être salarié dans une structure pour seniors, par exemple un EHPAD, que vous soyez animateur ou autre métier dans cette structure. Et tout simplement, vous pouvez être, ben, comme moi, micro-entrepreneur et que vous ayez envie de diversifier votre activité. Voilà, tout simplement. Donc, c'est bien, ouvert à tous. Il n'y a pas de prérequis pour entrer dans cette formation. C'est très simple. Tu utilises les nouvelles technologies. Tu me téléphones ou bien tu m'envoies un email. Tu auras mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et puis moi, je t'envoie directement la plaquette de formation, le programme détaillé de la formation, et puis je te réalise un devis. C'est-à-dire que tu auras les possibilités de demander une prise en charge pour ta formation. Alors, il faut savoir que mon activité, mon organisme de formation dispose du label Calliope, et donc dans ce cadre-là, tout employeur peut disposer d'une prise en charge sur les fonds formation. C'est très simple. Allez, je te donne mon numéro de téléphone. La formation, elle était très enrichissante, la formatrice très intéressante. On a eu énormément de danse, énormément de choses à travailler, et ce qui a un potentiel énorme pour nous pour la suite. Le contenu riche, vraiment une très bonne formation pour moi. Et j'ai hâte de mettre en place mes ateliers. Cette formation a répondu totalement à toutes mes attentes. Pourquoi ? Parce qu'on part avec du concret, avec des chorégraphies, comment les mettre en place, comment les adapter au public qu'on peut avoir face à nous. Alors le contenu, surtout la partie créative. De base, c'est ce que j'étais venue chercher. Tu nous as laissé créer et découvrir et décoder une musique. Tu nous as appris à l'identifier, à l'écouter aussi, parce que ça, c'est pas quelque chose qui était inné chez moi. Et surtout, à créer la chorégraphie. On est parti dans de la création. Françoise a abordé la formation d'une façon très dynamique, en faisant alterner des séances collectives et d'autres séances en petits groupes qui changeaient à chaque fois. Donc ça a permis d'avoir des échanges très enrichissants. Françoise est très investie dans ce qu'elle fait. Elle vit la danse et donc la formation n'est pas monotone. Elle utilise diverses applications, divers gadgets pour justement nous faire passer sa passion. Et elle nous donne plein de supports qu'on peut reprendre chez nous et des liens. J'ai fait cette formation, c'est tout d'abord pour essayer un petit peu de redynamiser la structure. Donc c'est pour ça que je vais mettre en place un spectacle intergénérationnel où je vais donc faire venir des enfants de primaire qui ont entre 3 et 6 ans. Et on va leur préparer un spectacle donc, avec les habitants et les serviteurs qui sont ici sur le thème de Noël. Et du coup, cette formation va me permettre de pouvoir créer plusieurs chorégraphies. J'ai surtout apprécié la séquence sur le vieillissement avec la participation d'une intervenante qui m'a apporté beaucoup de renseignements sur ce public que je ne connaissais pas, étant donné que moi je travaille avec des enfants.
la formation a répondu effectivement à mes attentes, parce que je repars avec plein de chorégraphies déjà à exploiter. Ensuite, je repars avec une méthode pour pouvoir aller créer mes chorégraphies moi-même sur les musiques qui me plairont. Je ne connaissais absolument rien. J'aime la musique, mais j'étais incapable de poser des notes, de poser des mouvements sur des notes. C'était un petit peu le chaos, c'était carrément le chaos. Et là, j'avoue qu'à la fin de cette formation, je suis super contente parce qu'aujourd'hui, je pense que je vais carrément pouvoir m'approprier mon répertoire à moi et créer mes propres chorégraphies. Donc, quand on repart avec des liens de vidéos, mais aussi une clé USB avec toutes les musiques, ainsi qu'un fichier avec toutes les chorégraphies écrites. Donc, on a du visuel, de l'écrit et l'auditif. On a tous les supports de la formation. Alors, au niveau de la formation, au niveau du déroulé, ce que j'ai apprécié, c'est l'organisation des journées. C'est-à-dire que dans les modules, sur une journée, on fait la musique, la danse et autre chose de particulier. Et le lendemain, on revient. Enfin voilà, c'est séquencé. On reste pas sur un truc particulier, que de la musique, une journée musique, que une journée chorégraphie. Voilà. Et ce roulement d'activité est intéressant. Le fait d'avoir fait cet exercice en intercession m'a conforté mon idée de me reconvertir dans cette discipline. Et donc oui, j'ai créé donc mon auto-entreprise qui est finalisée. Et donc avec tous ces bagages, je me sens prête et je pense que je vais commencer dès la semaine prochaine. Moi, je repars ravie, épanouie. Super intéressant en matière d'outils, en matière de communication, humainement parlant, une super belle aventure. Et ça sera à refaire, j'hésite pas une seule seconde.